Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un unboxing diamond painting. Voilà, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. C'est la société Craft Art Club qui m'a proposé un partenariat avec eux. Donc j'ai accepté. Je pouvais choisir les kits que je souhaitais. Et donc j'ai pu prendre, j'avais un certain montant et j'ai pu choisir donc ce que je voulais. Et donc j'ai choisi des kits mais de petite taille, enfin des 30-40, parce que je ne veux plus de grands kits. Vous le savez, je ne veux plus en faire, je veux faire que des petits. Enfin, des tailles moyennes comme celle-ci. Et puis, ben, c'est parce que ça va plus vite, parce que, voilà, les grands, ça me prend la tête maintenant. Alors, ils m'ont proposé, donc j'ai réussi à... Ah, enfin, j'ai réussi. Avec le montant qu'ils m'ont proposé, j'ai pu choisir 4 kits. Donc, je vais vous les montrer. Alors, le premier. Alors, ils sont tous en perles rondes. J'ai choisi en perles rondes. Alors, il y a bien sûr le petit kit de démarrage. Il y a les petits sachets derrière, la glu, le petit stylet, le petit plateau. Alors, les perles rondes que je vais vous montrer. Alors, comment je cherche le bout pour les ouvrir. Désolée pour le bruit. Voilà. Donc là, c'est en chapelet. Je vais vous montrer bien les couleurs. Voilà. Mettre un peu plus de lumière peut-être. Voilà. Une jolie couleur. Hop. Voilà. Donc il y a 20 couleurs. Ah non, il y en a encore. Il y en a encore. Hop. Ils sont là. 27. Donc il y a 27 couleurs. Voilà. Donc elles sont jolies, j'aime bien. Alors, j'essaye de bien remettre. Donc, je continue à faire du bruit. Hein. Voilà. Et le kit, c'est bien ça, 27 couleurs, oui, donc 30-40. Et voilà le dessin. Un petit Bouddha tout mignon. Je vous montre
les impressions. Et nickel. Ah, vous voyez derrière moi, il y a la soupe aux choux et la télé ce soir. Donc vous avez les références en haut et en bas. Ce soir, c'est la soupe aux choux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, j'ai marqué sur le sachet ce que c'est, comme ça je sais tout de suite. Voilà. Alors, le deuxième, je les ai déjà ouverts, hein, comme ça, ça allait un peu plus vite. Alors, toujours le petit kit. Toujours des perles rondes, comme ça, en chapelet. Paquet, là je vais vous montrer tout de suite. Donc il y a 24 couleurs normalement. Voilà. Bon, ils ont l'air bien, hein. Il n'y a pas de poussière. Et voilà. Bon, une fois qu'on déballe, c'est bien, mais après, c'est pour remballer. Voilà. Alors ici, c'est une Gorgus. Voilà, comme ça, sur son petit mur. Je commence à en avoir des Gorgus. Donc une 30-40 encore. Et donc 24 couleurs. Elles n'ont pas de rivière, hein, rien du tout. Les toiles sont nickel.
ici. Toujours 30, 40, 27 couleurs. Toujours le petit kit. Toujours des perles rondes. C'est ce que je préfère maintenant, les perles rondes. Même les perles carrées, ça ne me dit plus grand chose. Alors, voilà. Oh, pardon. Un kit est tout seul. Alors, je cherche le bout. Voilà. Jolie couleur, c'est neutre mais belle. Et voilà. Donc là, vous allez trouver le motif rigolo, je pense. J'arrive à remballer. Hop. Alors, celui-ci, oui. Ça brille, ah, voilà, la grenouille aux toilettes, pour mettre dans mes toilettes, bon, je trouvais ça marrant. On verra ce que ça donne. Voilà. Alors. Hop. Grenouille. Et le dernier, alors 27 couleurs, toujours le petit kit, hein. Toujours des perles rondes en chapelet. Ah, il y en a qui se promène tout seul. Voilà. Et ensuite, je cherche le bout. Ici.
Voilà, toujours des belles couleurs. Hein. Le dernier, voilà. Alors, mon sachet. Voilà. Et toujours 30-40. Alors, il va aller, c'est même que pour les toilettes, mais celui-là, ce sera pour la salle de bain. Voilà, pour mettre sur la porte de la salle de bain. J'ai trouvé assez mignon. Donc voilà. Et il me restait quelques centimes à prendre. Attendez. Hop. Je note. Voilà. Il me restait quelques centimes à prendre. Donc j'ai juste pris un stylet. Alors, si j'arrive à ouvrir le paquet. Allez, ouvre-toi. Alors c'est un stylet comme ça. Donc c'est même pas un stylet. Non, c'est pas un stylet. C'est pour repousser les perles. Voilà. Quand on veut bien les remettre droites, hop, on les repousse comme ça. Et là, il y en a un peu moins. Donc voilà, on repousse comme ça. Voilà. Donc c'est un poussoir à perles, je vais appeler ça. Voilà. Allez, je vous montre. Hop, ça floute. Voilà, là, ça floute pas. Voilà. Et l'autre côté, il est plus petit. Voilà. Ça, c'est juste pour remettre vos perles droites. Voilà. Moi j'appelle ça un stylet, mais c'est pas un stylet. Donc voilà, mais ce que j'ai choisi donc pour la dans la boutique Craft Art Club. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens de tous ces articles et je vais vous mettre le lien de la boutique également où vous pourrez trouver pas mal de choses. Hop, parce que j'ai mis ça sur l'ordi. Vous pourrez trouver beaucoup d'articles de kits. Ils font de la peinture diamant, bien sûr. Ronde, carrée. Vous pourrez trouver des outils, donc des boîtes de rangement, des boîtes à outils, des règles, alors des règles d'épée, voilà, celles qui font avec les petits ronds, vous savez, les petits trous. Bon, ça, je m'en sers pas, j'ai jamais essayé, mais bon. Après, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des perles, bien sûr. Des boîtes avec complètes avec des stylets, des pinces, des petits plateaux. Voilà, il y a pas mal de choses.
Attends, je suis en train de regarder un truc. Non, le truc que j'ai choisi là, il montre avec des perles dessus. Non. Je peux pas mettre des perles là-dessus. Non, non. Attendez, je regarde un truc. Ben oui, ils mettent des perles dans. Il faut que je regarde. Il y a un truc qui me chiffonne. Non, c'est plat. Donc, je peux pas mettre de perles. J'ai qu'une seule photo. Non, je ne peux pas mettre de perles là-dessus, moi. Enfin, que je demande à la boutique comment ils font, mais. Non, c'est ça fait à peine 1 mm, je ne peux pas coller de perles dessus. C'est impossible. Mais sur l'image, il montre que l'on colle des perles. Donc non, non, non. Non, non, moi je ne peux pas coller de perles là-dessus. Bon. Il faudra que je joue avec la boutique, mais non. Moi, j'appelle ça un poussoir. Bon, c'est rien. Alors, après, vous avez aussi des objets que vous pouvez décorer. Il y a des masques, il y a des petits miroirs, il y a des. Il y a des couronnes. Voilà. Plein de choses comme ça, oui, des couronnes pour Noël, voilà, bon, vous verrez en allant sur le site. Mais ça, non, je ne peux pas coller, moi, de perles dessus. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que les kits que je vous ai présentés vous plaisent. Comme je vous ai dit, vous pourrez retrouver tous ces kits. Dans la boutique, voilà, et j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de ranger un sachet de perles, donc je vais le mettre là-dedans, comme ça je ne vais pas le perdre. Ah, je vous jure. Ah non, je peux pas, parce que j'ai mal aujourd'hui. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Ça fait un peu fantôme ma lumière, vous trouvez pas? Comme ça, c'est mieux. Allez, à bientôt, bisous, bisous.